Bien le bonjour à tous mes amis, c'est Shookizer030 pour la partie 3 de notre let's play sur Little Nightmare. Nous étions tombés dans les poubelles du jeu. Et figurez-vous que je viens de me rendre compte à l'instant que parmi les ordures, il était caché une statuette que je vais désormais casser. Hop là, voilà. Alors je sais pas ce que ça fait, mais ça l'a fait. Allez, on va continuer, donc. Ah. J'entends des bruits de pas. Il se passe quelque chose. Donc là, apparemment... Oula. Oula, oula, oula. Non, tu n'as pas vu, tu n'as vu personne. Tiens. Oula, aussi. Il faut que ça mette en dessous, il faut que ça mette en dessous. Ah, c'est la merde, là. Hop, là. J'essaie de voir un petit peu où il se situe. Bon, c'est pas grave, allez, on se casse. De toute façon, je pense que la sortie se trouve toujours vers la droite. Donc, oh là, oh là, oh là, vas-y, ne te prends pas les murs. Ah, ah. Putain, ça y est, je suis baisé. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Faut que je le tire? Non, non. Vas-y, vas-y. Non, non, non! Oh l'enfoiré! Oh l'enfoiré! Tiens, j'aurais pas dû marcher sur les bouts de verre. Oh, bah tiens, je reprends directement d'ici. Bon, bah y'a pas de pression alors. Oh, on va éviter de faire du bruit comme ça. Bêtement. Tiens, il m'a entendu se battre. Ah bah. Oh l'enfoiré! Ok, y'a ça qui s'est activé. Allez, timbé. Non, tu m'as pas vu. Hop là, tu ne m'as pas vu. Hop là, tu ne m'as pas vu. Tu ne sais pas où je suis. Oh là, il regarde quand même. Là, t'as notre personnage a une vue imprenable sur le gros cul du monstre. Maintenant que j'ai activé le... Il faut que je m'accroche au... Comment ça s'appelle? Au crochet que j'ai activé. Mais par contre, le truc, c'est que je ne sais pas comment on y monte jusqu'à ces crochets-là. C'est ça qui m'embête un petit peu. Parce qu'au début, j'aurais dit, c'est par là. Et semblerait-il que non. Ah, je peux pas. Mon perso, il fait des tractions. Donc, il se passe quelque chose par là-bas. Les assiettes. Tu n'as rien vu, tu n'as rien vu. Tu n'es pas. Tu n'as rien vu, tu n'as rien vu. C'est bon, j'ai trouvé. C'est juste une animation. En fait, il ne nous voit pas. Il ne nous voit pas réellement. Je pense que... On va essayer de revenir sur nos pas, voir s'il se passe quelque chose par là-bas. Si on peut choper une... À mon avis, c'est par là-bas, de toute façon. Je vois pas d'autre solution. Voilà, ils sont deux. T'as rien vu. C'est comment que je vais faire? C'est un truc de fou. Ils sont en panique là. Non, il y a forcément un endroit sur lequel je vais pouvoir m'agripper. Voilà, peut-être par là, ouais. Ah yes, d'accord.
Ah, ça venait jusqu'ici le truc. Ok, parfait. Attends. Oh, il y a une petite lampe loupiote là. Génial. Oh là, je vais devoir prendre. Hop. Putain, je me suis éclaté comme une merde. Oh là là, que je... Nom de Dieu. J'ai peut-être... Non... Attends, oh, va falloir que je retombe dans les poubelles, oh purée. Ah, tu sais quoi, je vais pas m'amuser à... Je vais pas m'amuser à aller essayer de chercher cette lampe là, parce que bon... Je trouve que le risque est un petit peu trop grand de perdre du temps alors que... Finalement, il y a des points de contrôle vraiment réguliers, même quand on le voit pas. Donc c'est pas grave. Allez, est-ce qu'ils vont me voir et essayer de m'attraper? Oh con. Ils m'ont vu. Alors là, ça va être drôle, là. Ça me regardait ça, on dirait vraiment deux Mongoliens, quoi. Oh, j'ai fait de la merde. Oh merde, non, j'ai fait de la merde. Oh, quand. Ah bah tiens, voilà, j'aurais dû... Oh, mais attends, mais comment je fais là pour y arriver? Voilà, faut que je réagisse vite. Il y a vraiment des points de sauvegarde. Je trouve que même les points de sauvegarde sont un petit peu trop... Ils sont un petit peu trop aidants. Parce que là, j'aurais bien aimé, si vous voulez, j'aurais bien aimé refaire le petit passage où j'étais accroché au crochet, justement. Et de bien réussir à pas me faire choper et tout. Voilà. Apprendre de tes erreurs pour réussir. Là, on n'a même pas besoin d'apprendre de nos erreurs. En fait, le jeu te faire apparaître vraiment... Vous m'avez compris, quoi. Là, on se rend compte qu'on est dans un bateau, mais bon, c'est quelque chose dont on se doutait quand même, vu que ça tanguait pas mal. Mais c'est bizarre, en fait il y a deux bateaux, c'est deux bateaux, hein. Il y en a un qui est... C'est deux bateaux, ouais. Ah, le nôtre est beaucoup plus gros quand même. Enfin, on sait même pas si c'est un bateau réellement dans lequel on évolue nous. L'autre, c'est sûr. C'est tellement bien fait. Et là, il y a tous les gros. Ça fait penser un petit peu au voyage de Chihiro, là, quand il y a tous les monstres, là, tous les esprits qui vont dans le restaurant.
C'est un style comme ça, un petit peu avec des plein de monde, enfin de gens plus ou moins monstrueux, quoi. Donc là, en fait, je suis toujours dans le même endroit. Je suis. C'est juste que j'ai monté d'un étage. Est-ce que je peux passer maintenant avec ça? Oh là, ils arrivent tous. Ouais, ça fait très Voyage de Chihiro. En plus, il y a même un petit côté Japon avec les lanternes et tout. Mais c'est vrai que j'avais même oublié la dame là qui est là comme ça. Tu vois. C'est ça, c'est la directrice de l'établissement. Alors là, il y a tous les clients qui rentrent comme ça avec leurs grosses. Oh là 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 là. Ils ont vraiment de graves problèmes de cholestérol, ces gens-là. Ah, je sens la planche qui va craquer, là, celle qui est un peu soulevée. Oh la vache. Ah, ils sont là. Ça y est, ils sont assis. Oh lolo. Regardez comme ils mangent. C'est l'espèce de gros, là. Oeil. Oh la merde. Oh con. Oh la vache. Quoi, le mec il a bu un rat, regardez ça. Oh la la, lâche-moi. Oh bordel. Ils rampent quoi, ils arrivent même plus à marcher quoi, tellement ils sont gros. Oh bordel. Oh la la. Il me suit. Oh c'est le sprint final là. Ah je crois qu'il est bloqué là. C'est marrant là, regardez. Ah, regardez. Tu m'auras pas. Ah, mais regardez ça. Non, mais hey, franchement, ce jeu est trop bien. Ce jeu est trop, trop bien, quoi. C'est ça, moi, j'adore les jeux comme ça. Là, faut que je monte sur la pile de vaisselle. Quoi. Ah, la vieille dame, la dégueulasse, quoi. Là, je m'accroche. Ah. Regardez son corps flasque là qui fait des vagues comme ça. Comment je vais faire là? Eh, je me rappelle que c'était un. J'essaie d'allumer un vieux. C'était pas forcément un endroit facile ici. Hein. C'est un petit peu compliqué. Je vais essayer d'y aller tranquillement. Merde, j'ai perdu, mais qu'est-ce qui se passe là? Regardez là. Ah, oh, la vieille là qui aspire ses saucisses là. Dégueulasse. Oh, un petit lutin. Faut que je le suive. Je vais pousser la chaise. Oula, hup. Je vais lui faire un câlin. Après, je peux le porter comme ça. Mais enfin. Il y a une vieille chaussette ici. Une vieille chaussette qui part. En fait, c'est la maison du petit lutin. Ah, mais c'est curieux, tu vois. Il y a beaucoup de. Je pense que c'est un jeu qui est beaucoup sujet à interprétation au niveau de l'histoire. Parce qu'en fait, on n'a aucun background sur notre personnage. D'ailleurs, je crois que c'est une petite fille. C'est même pas une. C'est même pas un garçon, il me semble. Si vous pouvez me le confirmer. Regarde. Il y a une espèce de fou là sur l'image. Je pense que ça fait partie un petit peu de la direction artistique. Et alors là, je vous garantis que ça va être rigolo. Oula, la caméra qui fait un petit peu n'importe quoi. Ouh, je me suis fait choper par la vieille. Eh merde. Donc je vais reprendre là où il y a. Oh, oh, les points de passage qui veulent absolument rien dire quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je reprends pas la petite lanterne là? C'est peut-être pas des points de passage en vrai. C'est peut-être des points de contrôle. Quoique.
Regardez, il y a l'image de moi là. C'est un petit peu pour me guider, je pense. Merde. Quelqu'un qui m'a dessiné. Non mais attendez, je vais pas rester bloqué 600 ans sur grimper là. Mais je crois que je peux grimper par le tabouret, en fait, je suis con. Hop là, hop là, hop là. Ah, j'ai été chopé. Putain, fais chier. Non mais là, voilà, cette partie-là, là, c'était là où je dois esquiver tous les bras, là, c'est pas évident. Attends, est-ce que je peux pas... Non, je peux pas. Ouais, c'est là qu'il y a le tabouret. Voilà, il est un peu plus petit, un petit peu éclairé. C'est parce que c'est par là que je dois monter. Allez. Oh, mais tu sautes. Voilà. Allez. Voilà. Là, je m'éloigne à fond. Non, 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 non. Non, non. Yes, c'est bon. Le plus dur est passé. Allez, grimpe. Là, je vous dis, on a passé une belle merde. Voilà. Ok. Bon, à mon avis, c'est pas par là qu'il faut aller. Il va falloir passer par ici. Hop, là. Remonter par là. Oh, con, ça y est. Ça y est, mon vu. Oh, con, ça y est, rampe. Là, ça, là, c'est la course pour pas. C'est la course à la vie, là. C'est pour. La course, on peut pas se faire bouffer là. Oh non. Oh non de Dieu. C'est fini pour moi. Trop faux. Putain, faut que je lui saute sur le cul là. Oh là là, là, là. Est-ce qu'il va pas plus vite que moi? Non, c'est bon. Quelle tension! On n'a jamais vu ça. Non, tu n'as rien vu. Non! Oh merde, j'ai envie d'aller chercher la poupée. J'ai envie d'aller chercher la poupée. Comment je fais pour aller chercher la poupée, quoi? Je passe par en haut. Est-ce que je peux pas passer par là, par les cordes? Ah, l'autre qui gueule là, bordel. Bon, au pire, c'est pas grave. Hein. Non, c'est bon. Je suis là, je suis pas. Je suis un rouleau de PQ. Ah, il m'a chopé. Ah, le bâtard. Et il m'a chopé. Il arrive en courant. Oh, je pensais qu'il m'avait pas vu parce qu'il avait pas fait son bruit bizarre à la con là, mais il m'a vu. Il m'a vu quand même. Ah ouais, je vais pouvoir monter par là. Je sais pas comment je vais faire pour y aller. Ok. Va falloir que je me démerde. Côté là, il y a rien à faire. Oh, il a fermé la porte. Il y a probablement un truc à tirer pour pouvoir peut-être ça là. Ça se bouge ça là. Un rouleau de PQ? Non, je pense pas que ça va se jouer avec un rouleau de PQ. À moins qu'il faille que je monte ici, peut-être.
Non, il a pas l'air de vouloir... Eh merde. Ah, il faut que je prenne... Que j'aille sur les chiottes comme ça. Ok, que je chiotte, que je chiotte de chiotte en chiotte. Ah non, c'est pas possible, puisque de toute façon, on peut grimper directement par là. Mais je pense que notre salut se trouve dans la... À moins que le saut, là, de PQ... Genre le rouleau de PQ en fait me sert à aller... Non, c'est pas possible. Je pensais que ça pouvait être ça. Est-ce que ça peut être ça? Non. Là je peux pas monter là-dessus parce qu'il y a le bordel. Je vais voir avec ça. Ah non, c'est pas possible. Bon, je vais pas rester bloqué là-dessus, quoi. Tu peux pas rester bloqué sur un jeu comme ça. Ben, s'il faut, c'est évident, vous l'avez vu et tout. Et moi, je suis là en train de tourner en rond comme un gland. Mais même si j'arrive à monter sur les... sur le lavabo, après, qu'est-ce que je fais, quoi? Ou alors, je peux directement sauter sur la poignée. Mais merde, c'est quoi qu'il faut faire, là? Je suis bloqué. Ah non, quand je suis bloqué, je commence à avoir la tête qui tourne, après. Oh yes. Alors, d'accord. Donc on a peut-être trouvé une solution. Ah, rien du tout, puisqu'il n'y a rien dans le lavabo. Bon bah alors, c'est de la merde. Ou alors, attendez. Est-ce que si je passe par là... Oh merde, qu'est-ce que c'est que ce délire? Putain, y a pas un truc comme ça, un saut, un truc à... Là, y a pas ça, là. Y a un truc bizarre, là, au niveau de ce chiotte, là. Pas que j'ouvre le robinet. Bizarrement, ça me dit quelque chose. J'ouvre le robinet. Non, mais je peux pas rester bloqué comme ça, Milan, c'est pas possible. Ça, je me l'interdis. Est-ce que je peux rester? Est-ce que je peux grimper là? Forcément quelque chose que je peux tirer, que je peux...
Ah là, ça me gave. Putain. La lumière donne sur le lavabo. Ah, attends, il y a un savon là. Tu vois, il y a comme si ça éclairait le lavabo. Putain, ça y est, j'ai trouvé. Il faut casser le miroir. Avec un objet. Il faut casser le miroir. Peut-être pas avec ça. Peut-être pas avec ça, mais il est où mon truc là? Il est où l'autre truc là? Ah voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que je vais chercher, bordel de merde? Ah merde. Il est où mon truc là? Voilà ça là, il faut que je casse le miroir avec ça. Ça y est. Oh là là. Alors pour aller deviner ça, putain ça, je sais pas pourquoi ça, je me suis dit c'est pas possible. En plus le, je sais pas. Là je vais sûrement grimper. Non là pour le coup j'ai bien bloqué quoi. C'est vrai que ça me paraissait pas évident de. Il faut que je casse le miroir pour passer derrière. Ah, je suis désolé. Oui, je suis pas content. Taras, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la grosse merde. J'ai fait de la grosse merde. Putain. Putain. Recommencer depuis le point de passage. J'en ai rien à branler, je vais aller me chercher la truc, maintenant je sais que c'est là. Hop, vas-y, viens voir. Je pense qu'il n'y a pas que moi qui a dû rester bloqué sur cet endroit. Donc là on y va tranquille. Et en plus la première fois que j'avais joué, il me semble que pareil j'étais tombé parce que j'étais tombé du tuyau. Alors là, autant quand tu joues à la manette ça peut aller je pense. Autant quand tu joues sur PC, c'est différent. Ça va que le personnage suit le tuyau. C'est bon. Et là, yes. Allez, c'est bon. Ah yes, succès déverrouillé. Moi, ça me fait plaisir, ça. Bon. Qu'est-ce qui va se passer de ce côté? Il y en a partout. Non. Laissez-moi tranquille. Oh, ils s'entassent là. Il y a une vague de gros qui. Oh là. Ah, fallait que je prenne le virage, je pensais qu'il fallait que je monte au truc. Ah bah tiens, ils m'ont...
découvrir ça. Tiens. Ah, semblerait qu'il y ait un... qu'il y ait un lutin quelque part. Bon, c'est pas grave. Ah, il est là. Ah non. C'est rien. Allez, là, faut que je tape le plus gros sprint du jeu. Pour ma vie. Il y a une marée de gros qui se ramène. C'est le tsunami. Le tsunami de gras. Là, je tape le virage comme ça. Oh mon dieu. Oh yes. Il veut me choper. Oh non. C'est la fin. Mon perso il va... Oh, je sais pas comment j'ai réussi à la fin. Je me suis embrouillé sur les touches et tout. Là, mon personnage il a envie d'allumer mais il a pas mal de bloqué. Voilà. Ah, la faim me taraude. Les lutins, c'est mes amis maintenant. Oh non! Oh. Et regardez juste en haut. Quelqu'un m'a vu. Il y a quelqu'un qui m'a vu, il y a quelque chose qui m'a vu. Et c'était pas un lutin. J'avais pas vu ce détail la première fois. C'est la dame. C'est la dame. Oh mon dieu. Oh, j'ai peur. Bordel le cul, je reviens sur mes pas. Qu'est-ce qui se passe? Oh, une statuette. Une statuette. Je l'avais pas vue celle-là. Tiens, voilà. Va falloir que j'appuie sur le bouton avec cette boîte. Alors... une vitre cassée. Ok. Bon, ben il faut une clé pour aller là. Très bien. Quel con. Au moment où j'ai appuyé sur le pour allumer le briquet, je me suis dit bon, est-ce qu'elle entend? Est-ce qu'elle va entendre?
Ah, il y a une statuette sur le... sur la commode, là. Putain, je vois pas la... Sûr et certain que la clé, elle est dans le... Elle est dans le vase. Chier, quoi. Elle vient pas. Elle vient pas, c'est angoissant! Merde, alors je suis où là? Je suis où par rapport à la porte? Merde alors? Oh! J'ai cassé sa statue. Tiens. Voilà. Tu l'as mérité. Alors là, il y a tous les présentoirs. Ah, il y en a forcément. Il y en a, partout, derrière la commode et tout. Ça fait peur. Tu sais qu'il y en a une qui va se réveiller au bout d'un moment là. Tu sais pas laquelle quoi, c'est ça le pire. Ouais, jusque là ça va. Peut-être que les tableaux présentent un petit peu une histoire ou un truc. Je regarde vite fait. Tu vois, un cochon. Il y a un cochon. Non, je sais pas, c'est très curieux quand même. Oh la vache. Vite, cours, cours, tape ton plus gros sprint. C'est bon, elle s'est pris la portière. Mais elle va se ramener, elle va se ramener. Cours, cours, cours. Oh putain. Oh merde. Je crois que c'est la fin du jeu. Il y a forcément un endroit, quelque chose à faire. Tiens là. Putain, mais il n'y a rien ici. Non, ne dis pas qu'il n'y a rien. Un miroir. Ah, je dois lui renvoyer son reflet dans la tête, en fait. C'est ça qui va lui faire des dégâts. Hein ? Non, faut surtout pas que je le casse. Ah, ça y est. Vite, il faut que je me... Chien ! Faut à tout prix que je me mette là où il y a de la lumière. Là où la lumière. Là, 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 là. Faut que je me mette au milieu, au centre.
Là, tiens. Tiens, viens, vas-y, rends-toi. Je te renvoie ta laideur. Regarde comme tu es moche. Oh là là, mon personnage est de plus en plus faible. Là. Tu peux pas tester, tu peux pas tester. Je veux pas test, trop rapide. Clavier souris. Je recommence à avoir faim. Ah oui, un combat, ça m'a donné faim, quoi. Voilà, je crois que je vais la bouffer. Je vais lui bouffer la gueule. En fait, c'est moi le boss du game, quoi. C'est moi que tout le monde sur ce navire doit craindre. En fait, au début, j'étais qu'un petit enfant, et maintenant, en fait, je suis devenu une sorte de monstre cannibale qui aspire les âmes des gens. En fait, ils ont fait de moi un monstre. Voilà. Là, on monte les escaliers. Le moment le plus coloré du jeu.
Et alors, après ça, qu'est-ce qui se passe? Je suis libre, mais je suis en mer, donc qu'est-ce qui se passe? On n'en sait rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un jeu qui est vraiment excellent. Après, je pense que c'est le genre de petit jeu dont l'histoire est sujette à interprétation. Donc après, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez... pour les personnes qui ont déjà joué, ce que vous avez compris de l'histoire. C'est quand même assez... C'est quand même assez étrange comme jeu, mais malgré tout, il se laisse parcourir de manière vraiment, vraiment très, comment dire, on s'amuse énormément, quoi. Je veux dire, il se passe plein de trucs inattendus, c'est juste génial. En fait, c'est le genre de petit jeu comme ça où on s'ennuie jamais, où on est toujours surpris, et c'est ça qui est juste génial. Après, le genre lui-même est très court, puisque là, on a fait 3 vidéos de moins d'une heure. Mais moi, j'adore ce genre de petit jeu. Je verrai, puisque je vais... Mais de toute façon, il y a le 2 qui est sorti, maintenant, de Little Nightmare. Est-ce que ça se passe avant? Est-ce que ça se passe après? Est-ce que ça nous en dit plus sur l'histoire? Apparemment, il y a deux protagonistes cette fois-ci. Enfin, on verra. Du coup, franchement, j'ai hâte d'y jouer pour pouvoir pour pouvoir connaître un petit peu plus, en savoir un petit peu plus sur l'univers de ce jeu. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous avez compris un petit peu ce que vous avez compris un petit peu de l'histoire de Little Nightmare. Moi, ça m'aidera un petit peu. Parce que je suis pas le genre de mec qui réfléchit beaucoup quand il joue à un jeu, donc je me laisse plutôt entraîner par le jeu comme ça. Je me laisse vivre dans le jeu si je peux. Enfin bref. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé. Et je vous dis à très vite pour un prochain Let's Play. Ça m'a fait plaisir. Ciao.